Guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite. Utilisez un rail de glisse à Slappy Shore et Shattered Labs. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shattered Labs, donc juste ici, et à Slappy Shore. Et ensuite, vous allez devoir utiliser un rail de glisse, comme je suis dessus là, dans chacune de ces deux villes. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Parcourir la distance dans des sillages aériens. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici en dessous de Brutal Bastion. À cet emplacement-là, vous avez un sillage aérien. Donc vous avez juste à monter dedans. Et dès que vous aurez parcouru 250 mètres dans un sillage aérien comme ceci, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires en étant sous l'effet du slap. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver du sirop de slap. Donc vous pouvez en trouver n'importe où sur la map posée au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Ensuite, vous le consommez. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 500 de dégâts aux adversaires en étant sous l'effet du slap. Donc là, hop, comme ceci. Après, l'effet du slap, il dure assez longtemps avec, avec la petite bouteille. Donc normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Et dès que vous aurez infligé 500 points de dégâts en étant sous l'effet du slap, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Tomber d'au moins 5 étages sans subir de dégâts. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en mode Battle Royale Construction, donc avec les constructions. Et ensuite, vous allez construire tout simplement une rampe de 5 ou 10 d'hauteur, comme je suis en train de le faire. Donc normalement 5 c'est suffisant, mais voilà, faites au moins 10 pour être sûr. Et dès que vous êtes en haut, mettez bien la construction au-dessus de l'eau, hein, bien entendu. Dès que vous êtes en haut, vous sautez dans l'eau. Et là, boum, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ouvrir un coffre à double verrou. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver deux clés. Donc ces clés-là. Alors les clés, vous allez pouvoir les obtenir dans des coffres posés au sol sur Fortnite ou en tuant des adversaires. Après, il y a une autre solution, c'est avec l'atout, le renfort maître des clés. Ça vous donne obligatoirement deux clés. Donc dès que vous avez obtenu deux clés, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher des coffres comme ceci. Donc c'est des holocoffres. Ça s'affiche en haut à droite de la carte, hein, vous pouvez le voir, ça s'affiche avec un petit cadenas. Donc vous voyez les emplacements sur la carte, mais pas quand vous ouvrez par contre. Ensuite, quand vous avez vos deux clés, là vous ouvrez un coffre à deux verrous. Donc vous placez une clé dans chaque verrou. Et là, dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créé.